C'est-à-dire que ces avions permettent de simuler une apesanteur. Donc on peut très bien, avec un habile montage, en fait, filmer dans un décor d'ISS des membres d'équipage faisant, étant en apesanteur, avec derrière un fond vert où on va montrer des images, même des vidéos simulant une profondeur de l'ISS. C'est tout à fait faisable. Il y a quand même des éléments aussi, les chercheurs de vérité ont mis le doigt sur certains éléments qui attestent effectivement d'un trucage de certaines vidéos, avec des coupes qui ne sont pas naturelles. On va observer que les femmes, souvent les femmes qui ont une longue chevelure, sont permanentées. Et qui a, c'en est même ridicule, hein. Il y a un petit côté grotesque avec des cheveux qui ne bougent pas tellement ils sont permanentés, alors que même dans les avions zéro-G, les cheveux se comportent de façon tout à fait naturelle. Il y a l'avion zéro-G pour ça, et puis il y a une autre technique, c'est tout simplement les câbles. C'est-à-dire que vous avez des membres d'équipage qui sont suspendus à des câbles et qui sont derrière un fond vert et qui peuvent faire toutes les acrobaties qu'ils veulent en apesanteur. Ça avec la permanente, notamment la chevelure permanentée de l'astronaute. Beaucoup de chercheurs de vérité qui ont montré comme ça des anomalies sur des vidéos de l'ISS, des anciennes vidéos notamment, on voit à un moment où vous avez une fuite d'eau en arrière-plan et vous avez une goutte d'eau qui tombe derrière les astronautes et la goutte d'eau, elle est soumise à la pesanteur. C'est très curieux. Il y a aussi des photos, des vidéos de groupe où on voit que ce sont des calques qui sont superposés les uns derrière les autres et que les astronautes réagissent à la pesanteur ou à la force de l'inertie d'un avion zéro-G deux par deux. C'est-à-dire que vous en avez les deux qui étaient dans le même avion au même moment qui ont été filmés dans ce calque-là vont sautiller de la même façon tandis que les quatre autres réagiront différemment sur une autre, resteront stationnaires ou rebondiront sur d'autres trucs. Maintenant, je vais vraiment vous donner comme conseil d'étudier très attentivement les vidéos de la NASA, les vidéos de l'ISS, parce qu'il y a vraiment des choses très troublantes.